chercher la compagnie. Ça y est, on est en Turquie. Et là, maintenant, on va chercher le poteau numéro 13 pour avoir le transfert. Il va nous emmener direct à l'hôtel. Déjà, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. C'est cool, ça fait plaisir. Hop, pardon. Ça fait super plaisir. Et ensuite, comme vous avez vu dans le titre, opération dentaire, plus petit bloc de la Turquie. Donc, c'est cool. Et là, on cherche le numéro 13. Let's go, c'est parti. Voilà. Ah voilà, bon, déjà, changement de décor comme vous pouvez le voir. On est dans un putain de... Ouais, mais 40 minutes de négociation pour retrouver la personne qui voulait venir me chercher. Mais... Ouais, non, mais catastrophique. On était dans un van tout à l'heure, comme vous avez pu le voir. Sauf que... Ah mais c'est avec Kevin. Hein? Cassandra, alors qu'on a compris Alexia, et en fait ça fait pas du tout le bon. Alors, il y a dit Antoinette, elle, et en fait elle nous a dit oui, et en fait à la moitié du chemin, elle nous dit vous avez rendez-vous à 8h. Je dis bah non, on a rendez-vous à 13h, donc ça va pas. Et en fait elle s'est rendue compte que c'était pas nous le couple qui nous devait venir chercher. Ah ouais, non, mais un truc de baiser. Donc du coup, on est enfin posé, on est content, et cool. Regardez cette vue là. Hop, la télé en face. On peut se. Il y a les LED et tout. La classe à Dallas. Je sais pas si on voit. Je pense pas qu'on. Oui, enfin, ça y est, j'y suis. Après des années de recherche et surtout de courage, voici la clinique Cardel Dental. Le personnel est vraiment incroyable. Les traducteurs, les transferts, l'hôtel, ils sont tous présents pour vous. Parlons de chiffres maintenant. Pour 6 nuits, plus les petits déjeuners, les opérations, mes docs, car oui, ils vous laissent pas comme ça, on a payé 2900 euros. C'est incroyable, non? Allez, on continue. Fini. C'est hyper propre, ils sont super cool. La chirurgienne, elle est top. Vraiment nickel chrome. Non, c'est top. Vraiment, on recommande à 1000%. Oh my god, je suis un piranha, je vis dans l'Amazon. L'opération a été faite ce matin. On dirait un gremlins. Bon là c'est cool, bon, j'ai fait dodo parce que j'étais KO. Et là on vient de nous chercher et on va me mettre les dents provisoires. Et demain à 13h, on fait les tests pour faire les dents définitives. Et bon, moi, je suis plus avec le stress, parce que moi, j'étais vraiment stressé. Ils ont dû m'enlever 3 dents. Après, ils m'ont limé. Après, ça fait pas du tout mal. Mais voilà, quand t'es têtu et que t'as peur de quelque chose. Mais franchement, les personnes qui le font et qui comptent le faire, ça fait pas du tout mal. Je vous assure, vous avez le plus grand peureux de tous les temps en face de vous. Allez, kiss. On est arrivé. On est arrivé lundi soir à l'hôtel. Le lendemain, un fan est venu vous chercher pour aller à la clinique. Dans cet établissement, il y a plusieurs offres, dont la mienne, Hollywood Smile. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont limé toutes les dents, donc 3 extractions. Et après, je suis rentré à l'hôtel. Le soir même, ils m'ont posé des prothèses provisoires. Si je devais y mettre une durée de temps, je dirais 4 heures le matin pour tout me limer, pour tout nettoyer également, et 1 heure le soir pour juste la pose des prothèses. Le lendemain, donc mercredi, on est allé pour 1 heure empreinte pour faire les empreintes des dents. Le jeudi, 1 heure également pour essayer les dents définitives, et après le lendemain pour la pose. Allez, je prends le relais, je vous explique. Ils pourraient vous faire la pose définitive le jeudi, mais ils sont tellement professionnels qu'ils rajoutent un vernis dans un laboratoire dentaire. Ensuite, quand on est revenu en France, on nous a posé beaucoup de questions sur Instagram. Donc on a décidé d'en sélectionner 3. La première question qui revenait le plus souvent, c'était « Est-ce que t'as pu manger ?» Alors très clairement, le premier soir, t'es encore à moitié anesthésié de la journée, donc t'as pas forcément envie de te taper le plus grand du burger. Mais oui, effectivement, tu peux manger. Alors c'est sûr qu'il est préférable quand même de manger des choses molles ou assez liquides. Parce que t'as encore les gencives qui sont un petit peu sensibles. Et surtout, il faut faire attention à ce que ça s'infecte pas. Mais rassurez-vous, dès l'instant que vous avez les prothèses provisoires, vous pouvez manger tout ce que vous voulez.
La deuxième question, c'était, est-ce que vous avez pu visiter des choses à Istanbul ou est-ce que vous avez passé votre temps à la clinique? Bah en fait, oui, on avait largement le temps de faire des choses en dehors de la clinique, parce qu'en général, les rendez-vous, ça dure à peu près une heure. Donc tout le reste de la journée, t'es à quartier libre, tu peux faire ce que tu veux. Et la troisième question, c'était, est-ce que vous avez des restos ou des endroits où on pouvait manger facilement à côté de l'hôtel? Ou si on devait, admettons, prendre le bus, le tram, le métro ou le taxi. Alors vraiment, nous, à côté d'Antoile Hôtel, celui qui est en partenariat avec, du coup, Erdem Dental, il y a un énorme centre commercial qui s'appelle Imar Square. Et là-bas, en fait, si vous voulez, il y a plein de boutiques, il y a plein de restaurants. C'est un peu comme les Galeries Lafayette en France. Du coup, oui, pour nous, ça a été très, très facile parce qu'à 5 minutes à pied, on pouvait aller manger là-bas. Pas de douleur. Antibiotik ağrı kesici verdiler mi? Yok. Attends. Ils t'ont donné des analgésiques d'antibiotiques? Yes. Benim yapabileceğim bir şey varsa sizin için bana söyleyebilirsiniz. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, vous pouvez me le dire. Thank you so much. Thank you. Allez, assez parlé derrière Dental. Let's go pour la visite de la Turquie. Bon, après une bonne demi-heure de transport, Nito, elle est présente. On est au Grand Bazar. Il y avait fou là, on a réussi à avoir un petit coin où on peut respirer. Je vous montre ça. Fini, chicha. Allez la chicha. Et mes nouvelles dents. En live. C'est mieux que les cachots que j'avais avant. Largement. Allez, premier stand. C'est vrai que c'est vachement joli, hein. Il y a des couleurs de partout. Et puis pour Alexa, il en faut pas beaucoup. Hein. Là, il y a de la couleur, attention. Hein. Après, c'est vrai que c'est beau. C'est sublime. Mais je vois pas ça à la maison, perso. Hein. Aïta, peut-être, il va vouloir, et encore. Bon, ça y est, on a enfin trouvé la rue qu'on cherchait. Je vous la montre. La voici. Là, c'est que des vêtements. On va se remplir les valises. Let's go! Monter le plus beau. Allez, allez, allez. L'escalator va vous montrer comment on fait la recharge carte Istanbul. Qu'est-ce qui est la carte Istanbul? La carte Istanbul, c'est une carte que tu peux passer avec métro, train, bateau, tout ce qui est moyen de transport. Et c'est pas comme en France, il faut faire chaque transport. Donc ça fait un coup à fond. Je pense que ça doit être dans les alentours de 1 euro le trajet. Donc c'est plutôt comme à Paris, ouais. Et encore à Paris, c'est un peu plus cher, je pense. Hein. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez le voir, je sais pas si vous le voyez bien. On peut changer. Ouais, on voit français. Voilà. Vas-y, Bibou. Please, put commencing your. Please wait, your insert only banknote. On a un sol de 100 stèles encore. Merci. Voici. Fantastique. C'est parti les amis.
Ça y est, on est enfin dans le métro. On monte ça de suite. Hop. Rien de bien ouf. Hein. Je vous avais ça. Il y a du monde dedans quand même. Hein. Bon. Ouais, t'inquiète. Vous voyez qu'il a tout. Non, sort du métro. Ouais, il y a même pas 5 minutes. Le métro il va vite en fait. Le train il est un peu plus long. Après il n'y a que 2 arrêts. Ah, le train. Un peu moins de monde. Ça c'est cool. Je vous disais, la pollution, la sang, mais de ouf, c'est un truc de baiser. Wow. J'ai mal, tout le monde, j'ai mal partout. Ah ouais, méchant. Tout ça là, joli. Oui, oui, oui. Les sculptures sont super belles. Parce que mes carmes existent. Non, les sculptures sont magnifiques. J'aime beaucoup. Le parc, un des parcs qui est très joli. Alors, à l'intérieur du château, vous avez montré tout à l'heure, c'est un joli petit parc, c'est mignon, ça change. Voilà, c'est la voiture de police. Et regardez-moi, c'est que tout ça pour visiter des mosquées. Oh. C'est impressionnant quand même. Attendez-vous. C'est vrai qu'on est assez choqué quand même du monde. On pensait pas qu'il y allait avoir autant de monde. C'est impressionnant. Dans toutes les vidéos YouTube qu'on a vues, il n'y avait personne. Ce désert, ils disaient de venir en mars, etc. Pendant l'été, parce que c'était plein d'été. Ouais. Donc qu'est-ce que c'est l'été? Beau, c'est incroyable. Donc ça y est, on est arrivé au Arasta Bazar, le petit bazar, je crois que c'est qu'on dit. Hier, on était au Big, le grand bordel surtout. Ah non, tout à fait, on peut plus prendre le temps de filmer. Hier, c'était assez compliqué. Hein? On passe à pied, je vais rentrer, là, il y a un peu. On passera, on ira en retour. Je pense que ça change. Prête.
On a une heure, nous, on va toujours en sens inverse. Sens inverse, oui. Tout le temps. C'est bien, non? Ah oui, bien sûr. En fait, c'est impressionnant quand même. Partout où on va, on est toujours en sens inverse. Juste là, on va essayer de voir le Bosphore après, si on le trouve. Ah, on peut rentrer à gauche, il y a Rasta Bazar. On va rentrer à gauche. On en vient de là. Une photo. Allez, moi, cette mosquée, elle est magnifique. Hello. Parce qu'il vient de passer sur Pierre. Ouais, mais c'est une blague, je voulais t'acheter un truc, mais ça dégage. Allez, next. Ah oui, non, mais c'est quoi ça? Bon. Papa, sors de ce corps. Oui, non, mais ça va, donc. Ah, cadre. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment, peu pour être heureux. Ah, ça va, il y a un moment. Oh, de Dieu! Mais tu vas parce qu'on va dans sa boutique, pardon. Oh là là. Viens, on repart. Toute la journée. On rentre, on sort, on y passe à Serpillère, on re-rentre. Toute la journée, on fait ça. Oh, j'en serais capable, moi. Moi, je suis moitié cinglé. Attends, on va pas aller chercher merde. Normalement, on regarde juste... C'est dommage parce que je lui aurais acheté le bracelet. T'as vu pour lui. Voilà. Il a manqué une occasion de fermer sa gueule. Oui. Voilà. Avec Alexia, c'est comme ça, faut être droit. Hein. Oui, bah, t'as des façons de faire, t'as du respect à avoir en fait. C'est pas faux. Là, là il passe pas la serpillère, tu vois, en vrai. Là ou en face? Là ou en face? En face. Hein, les lumières? Tu vas aller voir les lumières? Allez. Est-ce qu'il passe la serpillère, Lumi? Par contre, je pourrais pas continuer, il y a marqué photo interdit, donc les amis, je pourrais pas rentrer dedans. Ça va, je vous montre le maximum. Hein? De quoi, bébé? Tu veux qu'on fasse le Bosphore? Ouais, je pense qu'on va faire ça. Hein. Parce que voilà, c'est ce qu'on vous a expliqué. Enfin, ce qu'on expliquait vaguement à la famille. Istanbul, c'est bien, mais une fois. Une fois, c'est tout. T'as vite fait le tour et. Non, c'est pas mon délire. T'aimes bien toi? Bah, on a la barrière de la langue, après on n'était pas aux bons endroits aussi. Oui, aussi, ça, peut-être que ça y joue aussi, mais bon, moi je... Non, c'est pas mon délire. Bon, je suis très content, mais de base c'était pour les dents. Hein. On savait très bien, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, que c'était pas les vacances, mais bon. C'est... Le mal ici, c'est dingue. Comment? Les gens font très mal. Ah oui, oui. Il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de passage piéton, il y a... C'est vraiment la one again. Tout flat. C'est joli. Croisière, hein, le bateau. Le Bosphore est tout là. Ça, le passage piéton, vas-y, on va marcher là-bas. Au travers. C'est un peu là.
Bon ben voilà, on est au Bosphore. Il fait beau ici, on a du coup. On va rentrer à l'intérieur. Okay. La norme en bas. Petit tour du bateau. Wow, ça va être grand. Attention, là t'as fait d'eau. Ouais. Alors, voilà. On est rentré à l'intérieur. Hein. Bon. Ah, c'est bien être au sac à nid. Voici à Lemar Square. Regardez-moi ce grand bâtiment. C'est sublime. Voilà, et là, on va aller voir l'aquarium. Il y a un très très grand aquarium. Bon, ça vous promet. T'en penses quoi, Nini? C'est big, hein? C'est, ouais, c'est gigantesque. Mais c'est joli. Voilà, là on est vraiment dans le centre commercial des Mars Square. C'est les galeries Lafayette. Ouais, clairement, et c'est clairement ça. Il y a du Louis Vuitton, il y a du Yves Rocher. Et on en passe. Hein. Mais c'est pas mal. C'est... Puis on a la chance que. Là, c'est ce quartier. Le crocodile. Et en bas, on a mangé au restaurant hier soir. C'est vraiment, vraiment, vraiment super joli. Regardez. Voilà, et là, vous avez des kebabs. C'est vraiment super sympa. On arrive... Enfin à l'aquarium. Non mais il y a Stradivarius, Bershka, Yes, Yves Rocher, il y a Louis Vuitton, Pomane, Basque TV 64. Ouais, là on sait. Elle a ôté, elle a ôté. Et voilà, on est à l'aquarium. C'est bien. Voilà ce qu'il y a. Alors, c'est... Ah, j'ai vu un truc que j'aime pas. Wow, c'est magnifique. Ah ouais, ah c'est bon là-bas au fond. De quoi? Tu disais quoi? Oh les babies, ouais, ils sont trop chauds. Non, ça fait pas l'effet d'optique, donc ils viennent vers nous. Oui. Franchement, ouais, super bien fait. Mais vraiment, vraiment bien fait. Je crois qu'on va faire tous les aquariums du monde. Ouais.
venir en Turquie, on fait l'aquarium de Turquie. Non, c'est cool. C'est plutôt cool, franchement. Hop, attendez deux secondes, les amis. Non, c'est cool. Quand t'es une star, on t'écoute jusqu'à la fin. Pas le choix. Salut. Ouais. Allez, le défi, il faut qu'ils viennent. Petit. Turc. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Qu'est-ce que t'es beau toi. Mes nouvelles dents te font plaisir. Check. Ouf, le morceau. J'ai peur d'être là-dessus. Mais non, Nini.